to your favorite modern world. Tout le monde. Entre deux planches de bois peintes, un compact disque. Pas de titre, de groupe, de morceau, pas de livret, rien. Rien que du bois, quatre aimants et un compact disque. J'ai entre les mains un des deux albums du groupe Terra que j'ai vu lors du concert de Soen à la laiterie. Un album éponyme, également disponible dans sa déclinaison acoustique, possédant le même habillage menuisier et dont je possède le tout dernier exemplaire. Terra est un groupe italien né en 2018 venant de Rome, et on pourrait les classer dans le tribal post-metal si le genre existait. Peut-être qu'il existe en fait, en fait je n'en sais rien. Le Quatuor m'avait subjugué en live avec leurs courtes prestations au point de leur prendre deux disques et un t-shirt au stand de merch à la fin du concert. Mais l'enthousiasme du live laisse parfois place à la désillusion une fois rentré à la maison et le CD posé sur la platine. Qu'allait donc être le destin de Terra et de ces deux disques? Vous le saurez après une page de publicité. Leur côté tribal théâtral, lorsqu'ils s'étaient avancés à trois devant la scène pour jouer The End aux percussions, m'avait hypnotisé. Mais quand Davide, le chanteur-batteur, avait pris le micro, j'étais tombé en pâmoison. Il faut dire qu'il possède quelque chose du charisme de Daniel Guidenlow, The Pain of Salvation. Et pour moi, c'est presque la référence ultime, surtout en live. Du bois, des dreads, un logo géométrique ésotérique et le nom Terra, tout m'évoquait la mouvance New Age, écolo, planétaire, mais avec des instruments électriques et un peu de growl pour pimenter l'herbe à fumer. Pour découvrir les noms des membres du groupe, leur histoire, les titres des morceaux et les paroles, il faudra se rendre sur le site Welcome to Terra, car ils n'ont pas encore inventé le livret en écorce de chêne. Terra joue du post-metal comme dans 12, mais également du folk avec Siren's Call ou du metal à growl comme dans Father, sans parler du chamanique mantra. Palette musicale des plus variées à forte personnalité qui fait mouche dès la première écoute. Terra joue dans un registre émotionnel qui fonctionne toujours aussi bien avec moi et une musique suffisamment contrastée pour que je ne m'ennuie pas un seul instant. Pendant une heure, 12 morceaux de 2 à 5 minutes, plus un mantra de 20 minutes, le groupe nous emporte dans son concept album mélodique et torturé où seuls deux cours instrumentaux offre une pause à la narration. Il s'agit d'un premier album sorti en 2022 qui aurait vraiment mérité de monter sur le podium. Mais à l'époque, j'ignorais encore tout de ce groupe talentueux que je vous recommande d'écouter d'urgence et de suivre de très très près. C'est tout pour cette semaine, mais franchement, que demander de plus? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce pour le crier à tout l'internet et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez continuer à suivre ces passionnantes chroniques en images. À lundi prochain! Bisous !